Merci, Madame la Présidente. En premier lieu, je ne peux que constater un changement en mieux dans le ton et le contenu de cette proposition de résolution sur la subsidiarité et la proportionnalité par rapport aux précédentes. Je suis encline à accorder le bénéfice du doute, mais permettez-moi de croire qu'il ne s'agisse, à un an des élections européennes, que de continuer d'une autre manière à détourner ce principe de subsidiarité pour servir les objectifs des tenants d'une intégration et d'une souveraineté européenne sans cesse plus poussée. Quoi qu'il en soit, je continuerai à être vigilante quant au respect et à l'application effective par les institutions européennes de ce principe fondamental. En second lieu, je salue l'utilisation grandissante par les parlements nationaux des possibilités prévues par le protocole numéro 2. Je salue également les initiatives carton vert et renouvelle mon soutien à la création d'une procédure de carton rouge. Enfin, je continue de penser que la possibilité d'émettre un avis motivé devrait être étendue à toute la durée du processus législatif, ou du moins la proposer à son début, à mi-parcours et à sa fin. Ceci est nécessaire car les parlements nationaux sont le véritable cœur démocratique de l'Europe. Merci.